Salut tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. Et donc, dans cette vidéo, on va faire, enfin, je vais faire le Simoth. Ensuite, on ira voir la capsule numéro 4 qui se trouve là-haut. J'ai aussi la capsule 17 qui se trouve juste là, 571 mètres. Qui vient, j'ai eu le signal il y a quelques instants. Lifepod, tatatitatata. D'ailleurs, on va mettre ça comme ça, voilà, pour bien qu'il soit visible. Alors, on m'a fait remarquer dans, il y a beaucoup de monteurs qui me l'ont fait remarquer et je l'avais en plus fait après la dernière vidéo, c'est que j'ai la possibilité de faire la bouteille d'oxygène de haute capacité, donc je l'ai faite. Je suis monté à 135 en oxygène, donc voilà. Voilà la raison pour laquelle je pense que les développeurs ont retiré le fait de pouvoir cumuler les bouteilles d'oxygène dans l'inventaire. Parce qu'on pouvait en mettre autant que l'inventaire pouvait en contenir. Et ça nous faisait monter l'oxygène à fond. Donc maintenant ils ont retiré ça, on ne peut plus en mettre, ça ne se cumule plus. Mais on peut maintenant dès le début du jeu. On peut améliorer la bouteille d'oxygène normale en bouteille haute capacité. Donc ça nous fait monter de 75 à 135. A savoir qu'avant, c'était avec la station de modification qu'on trouvait qu'on était bien avancé dans le jeu, je voulais dire qu'on pouvait modifier les bouteilles d'oxygène. Maintenant, on le peut dès le début. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la baie de véhicule mobile. Et ensuite, on va faire le Simoth. Il faudra que je fasse aussi... Bon, ça, je ne le ferai pas dans cet épisode-là. Ou peut-être que si. La gravisphère. Pour ce qui est de l'habitation, beaucoup de gens m'ont dit quand est-ce que je vais faire l'habitation. Oh, bah tiens, il fait lui. Je vais faire ça... j'espère commencer ça au prochain épisode. Au prochain épisode, vu que j'aurai le Simoth, j'irai directement à l'île flottante. Récupérer tout ce qu'il y a à récupérer sur l'île flottante. Et ensuite, j'irai dans la zone où j'irai construire ma future base. Que c'est joli. Ça tourne vite, par contre. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qui me manque pour faire... Alors, est-ce que déjà, je peux manger un peu? Voilà, on mange. Toi, je vais te changer en bouteille d'eau. Voilà. Et on boit. J'ai du titane. Alors vous savez quoi? Je vais lire ce message à la fin de la vidéo. Parce que j'ai un... je crois peut-être savoir ce que c'est. Alors peut-être que c'est une capsule encore, mais on verra ce que c'est à la fin. Il me faut donc du lubrifiant et une batterie haute capacité. On va faire la baie à véhicule mobile. Voilà. Yes. Ça prend beaucoup d'espace. Et ensuite, pour le Simoth. Alors, j'ai pas encore. Alors, j'ai fouiné pour trouver la. Comment ça s'appelle ? Là, le rechargeur de batterie. Alors maintenant, avant, on avait les schémas qui étaient au-dessus, ici, là, où ils nous disaient le pourcentage. Maintenant, depuis mise à jour, c'est comme ceci. Donc j'ai un module sur deux pour la station de modification de véhicule. Et là, pour le cyclope, il me manque un module pour la coque, un module, enfin, trois modules pour le pont. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi trois alors que j'en ai déjà un. Et je crois qu'il me manque. Il y a normalement un troisième. Je crois que c'est les moteurs qui manquent. Et en rechargeant de pile, voilà, j'ai pas trouvé la deuxième partie. J'ai cherché et je suis pas tombé dessus. Alors, j'ai cherché le Simoth. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Du lingot de titane. Ok, batterie de capacité. J'ai vert x2 lubrifiant. Alors, lubrifiant. J'en ai plus. On va prendre la batterie haute capacité.
peut-être se vider du titane. J'ai mon lingot, ça c'est bien. On va mettre ça là, pareil. Et... C'est quoi? Ah oui, du verre qu'il me faut. Il me faut du verre. Je n'ai pas de verre en rab. Et je sais déployer la baie de véhicule, mais ça on verra ça plus tard. Il me faut du quartz. Oh, regardez, il y a encore une dent de rôdeur là. Je vais la prendre. Pour plus tard, c'est tellement rare après. En fait, j'ai un spot à... Il y a un rôdeur ici qui n'arrête pas de prendre les bouts de métal. Et en fait, j'ai un spot pour dents juste là, quoi. C'est cool. Oui. Bip, bip, bip. Alors... Ah oui, il me faut x2. Faut que j'aille en rechercher. Ok, c'est quoi ça? Verre émaillé, oui, d'accord. Et lingot de... Ouais, lingot de la plate acier, c'est... C'est pour faire lingot titane plus verre émaillé... Non, du verre, ouais, c'est ça. Plus du dent de rôdeur, je crois. Le truc, il va falloir que je... que je me fasse d'autres rangements. Parce que là, celui-là, je crois qu'il est blindé. Ouais, il est blindé. Alors... Il y a la torche. Parfait. J'avais pas un petit poisson à manger. Manger. Venez là, venez là, venez là. Merci. Du quartz, là. Voilà. On va éviter de... C'est marrant. Ah mais d'habitude, ça montait jusqu'en haut la cheminée. Là, ça monte plus du tout. Ah si, voilà. Non, ça monte plus. Ils ont modifié ça aussi. Avant, ça sortait vraiment... et là, ils ont... Ouais, ça... C'est limité maintenant. Alors... J'ai mon verre. Et je crois que c'est du lubrifiant. Faut que je cherche du lubrifiant. Alors déjà, avant de chercher du lubrifiant, je vais aller déposer ceci parce que ça prend la place. Je vais le déployer là. Voilà. Tu bouges pas. Hein. Et du lubrifiant, il m'en faut 3 ou 2. Je me souviens plus. Lubrifiant. Graine de Vindora. Il en faut juste un. Ok. Salut. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Va jouer plus loin. Ah zut. Ça c'est vous faites pourchasser par des monstres et que vous allez vers un gaspod, il va lâcher ses gaz et ça va les... ça va tous les calmer. Parfait. Et donc... est-ce que je crois que j'ai tout sur moi. Mon petit Simot. Voilà. Non, je vais monter. Moi, je vais monter. Monte. Escalader. Voilà. Alors. Simot. Oui.
D'habitude, j'ai une maison avant d'avoir le simote. Ah! Welcome aboard, Captain. Je me sens revivre. Je peux aller à 200 mètres. Bon, c'est pas mal. Je sais plus. De base, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de rangement de base. Hein. Ça, je n'ai pas de rangement de base. Il y a les emplacements. Ok. Donc, alors. Je vais aller changer cette bouffe. Je n'ai pas de sel. Là. Super. Je cherche du sel. Là. Il y en a souvent près de ces... voilà, il y en a souvent près de ces petits près de ces petites fleurs là et des champignons, enfin des oui, champignons acides là. Bon, ça c'est du quartz. Du sel. Voilà. Il y a des œufs partout, c'est... Ok, et juste un morceau de sel là s'il vous plaît. C'est du titane ça. Je suis sûr qu'il y en a devant moi, je le vois pas. Sel. Là. Ok, on va aller chercher un petit... Viens là, viens là, viens là. Merci, c'est bon. Petite réserve de nourriture et d'eau. Alors. On transforme ça. Bon, ah oui, c'est ça, gravisphère, fil de cuivre et titane x2. Fil de cuivre, on va la faire à gravisphère. Hop, hop, et titane x2. Hop, 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 fil de cuivre. Et voilà. C'est vrai que je l'ai jamais refaite depuis qu'ils l'ont modifié, totalement modifié, parce qu'à l'avant, elle avait pas cette... cette tête là. You. On va maintenant ressemble à une boule, une balle de foot. Vous les pêchez, vous prenez ça. C'est super pratique. C'est parce qu'il n'y a pas un bouton pour le on-off. Pour la... Bon, je vais regarder mon inventaire. Ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas un bouton on-off. Ce serait intéressant. Est-ce que j'ai une... J'ai une batterie, c'est bon. J'ai du lithium, j'ai... Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez hop. Alors... bon, pour l'instant, je peux pas choisir la couleur et le nom, mais je le ferai plus tard. Ça c'est près du vaisseau. On va faire celle-là déjà. Je suis tellement habitué. Pardon. Je suis tellement habitué à... avec les petits coffres du début du jeu.
Je m'attends toujours à trouver des coffres, mais c'est vrai que maintenant il n'y en a plus du tout. C'est des fragments. Normalement il y a un il y a une carcasse aussi dans le coin. Il y en a une aussi par là, il y en a partout de toute façon. Je commence à connaître un peu où se trouvent les carcasses. Tiens bah voyez, elle est là. Juste là la grosse. Celle-là est immense. Ok, on a des fragments de simote. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Capsule de survie 17. Oh, tout est en anglais, c'est marrant. Journal de l'équipage, bord de l'équipage, c'est en français. Pareil, ça aussi, mais alors tout est en anglais à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre? Normalement il n'y a pas un truc à récupérer. À part ça là. Non, bah il n'y a rien d'autre. Là on a un trou qui descend. Y'en a là toi. Est-ce que je t'ai déjà scanné ? Y'a non je t'avais pas déjà scanné. Oui oui je sais que le deuxième, quand on scanne une deuxième fois c'est pour voir s'ils sont malades. Toi je sais plus si je t'avais scanné. Non bon bah ouais d'habitude il y a un tout petit truc à ramasser mais là il y a rien. Pas grave. Ah mince. Qui est ce trou enfin, je crois savoir où ça mène ça. Ah, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Ouais. Ça mène au biome avec les champignons je crois. C'est ça. Qu'on visitera un de ces quatre. On n'est pas pressé. Allons voir la carcasse. Oh, ça m'intéresse un peu plus. Est-ce que vous avez des choses qui traînent Alors, où je trouve l'entrée déjà ce truc Je crois qu'elle se trouve sur le côté déjà, de mémoire. Elle est là-haut, là. Elle est là-haut. C'est ça. Quoi, il y a un truc qui me poursuit? Va voir ailleurs. Est-ce que je t'embête, moi? Alors. Je veux les... Ah, une chaise. Bon, je veux... Il y avait un truc... Ah, c'est celle-là. Ah, regardez, il y a un rechargeur de batterie, là. Oui. En rechargeant les piles. Parfait. PDA. Qui est en anglais, c'est magnifique. Ah ça c'est... Attendez. C'est le... Non, je peux pas. D'accord, je ne peux pas. Ah le banc. Ok, par là. Ça. Ok, c'est que du titane maintenant, c'est super. Ça aussi. Je vais le rechargeur de pile, c'est bon. Et alors qu'est-ce que j'ai? Banc.
Chaise, c'est cool. Et rechargeur de pile, il est où? Bah zut alors. Je suis pas aveugle. Il est là, c'est bon, on l'a. Ah bah vous voyez, il y a encore des coffres. Fragment de distill, ça c'est... c'est la combinaison où on peut récupérer l'eau interne là, de notre transpiration là. Je vais vite retourner reprendre de l'air quand même. Je regarde si je veux... Non. Bon, cette combinaison là, tant que j'ai pas réparé les fuites dans le réacteur, ne me sert pas à grand chose. Ça viendra plus tard. Alors. J'essaie de bien regarder où... un peu partout. Là on a la lampe, projecteur. Avant de faire la baraque, avant de faire ma base, je vais déjà voir tous les trucs à l'intérieur. Ça va être drôle ça. Je peux reprendre la pile là qui est dessus. Il y a une pile qu'on peut reprendre, elle est où? Non, j'y ai pas accès. Il fait sombre là-dedans. Ok. Bon. Ah ah ah. Il y a peut-être un autre accès là. Du tout. Normalement, il y a un autre accès quelque part. Parce que là, on est dans la partie haute. Et partie haute. On était là-dedans. On peut aller dans la partie basse. Par où on y accède à ce truc déjà? Lâche-moi, vile créature. Qu'il y a une porte qui s'ouvre quelque part. Aïe. Alors je sais plus du tout où se trouve l'accès à la partie basse. Alors enfin s'il y en a un, mais normalement il y en a un accès partie basse. Attendez, il y a la porte qui est là. Ouais. Je tourne en rond. Et qui va assassiner que la baie de Simoth s'était effondrée autour d'eux. D'accord. C'est peut-être ça la bête. Bon, tant pis, je retournerai plus tard hors caméra, hein, j'irai fouiner. On va aller à capsule de survie numéro 4. Le problème c'est que c'est là où se trouve le Léviathan. On a déjà trouvé le rechargeur de piles, ça c'est très bien ça. Ça va être très utile. Et les sièges et les bureaux, ouais c'est cool, c'est magnifique.
J'aime bien. Désolé. J'aime bien la déco. Buvons un peu. Mangeons un peu. Ça. Je vais mettre ça là. Parce que j'aimerais bien sortir ici. Voilà. Répare-moi ça. Oh, j'aimerais bien y aller plutôt la journée que le jour. J'aime pas jouer le jour. Parce que là, la nuit, j'aime pas trop ça. Attends. Ouais, on peut pas encore se lever. Parce que deux nuits, se balader avec un Léviathan dans le coin, comment dire, c'est un peu à éviter. On l'entend, mais on le voit pas forcément. Ah, ça se lève là le jour là. Oh putain, elle m'a fait peur. Spawn. Le jour se lève. Doucement de la capsule. Voilà. Lâche-moi, toi. Ah, fais chier. Mais lâchez-moi, parce que je vous emmerde. Je sens le coup de vis. La capsule est juste là en plus. Je vais pas m'approcher avec mon... Oh là 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 là. Hop. Oh putain. Il doit être là. Vu comment ça charge. J'ai eu un coup de lag. Oh, fais chier. Je sais pas où t'es, c'est ça qui m'énerve. Je veux le fusil à stase. Ça se suffit pas, ça, je peux rien faire. Léviathan. Où es-tu? En plus la map qui se, voilà, la map qui se télécharge pas, qui se charge pas et tout. Oh, il est là, c'est bon, je sais où t'es. Vas-y, reste là-bas. Non, mais c'est dit de rester là-bas, mais pourquoi tu viens vers moi? Regardez-moi. Non, mais sérieux. C'est de la triche. On monte. Comment dire ? Ceci est un peu risqué. Puis je suis sûr qu'il n'y a rien dans cette capsule. Tout ça pour... Ils sont morts les mecs, il n'y a personne dedans, ils sont tous morts là. Oh non, l'entrée est de l'autre côté. Où est l'entrée? Vite, en dedans. Vas-y, prends ça, vite. Leurre. Super, j'ai le leurre. Y a rien d'autre, PDA. Y a un PDA.
Mais bon, on se casse. Fuyons. Le leurre, mais le leurre c'est pour le cyclope, non? Vite. Wow. Enfin, tant que j'ai pas le fusil à stage, je ne suis pas serein avec le... ces villes créatures. Donc ma base sera dans ce coin-là. Normalement. C'est bien, il y a le Léviathan pas loin, super. Faudra que je me démerde pour pas l'emmener vers moi. Mais elle sera par là. Elle sera dans ce biome-là, avec les espèces de champignons, là. Oh, ça a du mal à charger. Donc vu qu'il est assez vaste, je ne sais pas exactement... Ouf, vache. Oh, regardez-moi ça. Je ne sais pas exactement où je vais le faire. Là, par exemple... Si vous voulez voir le cyclope en entier, vous baladez dans ce biome et vous l'aurez. C'est toujours dans ce biome-là qu'on trouve les éléments du cyclope. Assez facilement en plus. J'aurais mes panneaux solaires, mais je sais pas s'ils sont... enfin, ils vont pas être très très rentables aussi profond. Ils ont encore modifié la zone. Waouh. Par contre, ça a du mal à charger. Vache. Et là-haut, on a le Léviathan qui est là-bas, là, avec la carcasse. Ouais, je vais tourner autour, j'irai zioter où trouver un bon petit spot pour faire une bonne petite base. Comme ça j'aurai beaucoup d'espace et j'essaierai de trouver un grand espace pour justement faire... Là ça me paraît très très bien ici pour faire avec des tunnels qui partent là-dedans là, vous voyez. Hop, ça serait classe. Bon, le problème c'est qu'il y a... Bon, les espèces de... méduses... Y a rien à craindre. Oh, c'est la première fois que je le vois cela. Ça fait partie de la dernière mise à jour. C'est des canaux qui aspirent l'eau et qui le rejettent. Et vous verrez pourquoi. Bah tiens. Non. Voilà. Bon, allez, on rentre au... On va voir... Désolé, on va voir le message. On rentre au bercail, on va voir le message et ensuite on se laisse là-dessus. Parce qu'après, épisode long. J'essaie de faire quand même des épisodes assez courts et... Et d'ailleurs... Vu qu'on a trouvé le schéma, j'ai pas regardé. Donc voilà, j'ai trouvé le projecteur, le schéma pour le cyclope. Cyclope, forcément, voilà, j'ai un ingrédient sur toi pour le cyclope. Et c'est quoi le leurre? Je crois que le leurre, c'est ce qui est utilisé dans le cyclope, justement. Voilà, c'est ça. Attire les créatures à lui. Il peut être déployé manuellement. Ah, manuellement ou par un sous-marin. Ne peut être récupéré après utilisation. Ah! Faudra que je le teste, ça. Ça, on le testera. Ça pour le Léviathan, ça serait peut-être cool. Je savais pas qu'on pouvait le tester, l'utiliser manuellement. Je l'apprends. On a une puits de rocher ici. Ah, on a une épave là. Est-ce que je l'avais... Je sais plus du tout si je l'ai... Non, je crois pas que je l'ai... On fera ça un autre jour. Je crois pas du tout que je l'ai visité. Voilà pourquoi je mettais des balises, et de toute façon je vais le faire aussi, des balises sur les carcasses, parce que ça me permettait en même temps de savoir, bah tiens il y en a encore une autre là, ça me permettait aussi de savoir si j'avais déjà fait ou pas.
c'est un point de repère pour moi. Et en même temps, ça me permettait de les comptabiliser. Et c'est là que je me suis... Bah là, c'est là que je m'aperçois qu'en fait, elles sont toutes au même endroit. Peu importe qu'on fasse une nouvelle partie, elles sont généralement toutes au même endroit. Tirer ces trucs là. Et parfait. Alors, c'est quoi ce message? Je m'en doutais. Je savais que c'était ça. Still nothing. These old Terra ships. They've run out of engine grease. They send an SOS. To offer to help. They didn't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. See what the long-range scan picks up in the meantime? Damn Charter's gonna have us wasting our profit margin running errands for Altera. Ça, ça veut dire qu'on a des secours qui vont arriver bientôt. Les calls, des secours enfin. Allez, on va se laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. Au prochain, on ira à l'île flottante visiter et récupérer surtout le module pour construire la base. Et aussi un peu faire de touriste sur des terres parce que j'en ai un peu marre de l'eau. Allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve très vite sur Subnautica. Ciao !